Salut! Moi cet été, je suis partie en vacances à la montagne avec mes parents dans un village club. La montagne. Alors faut savoir que dans un village club, y a plein d'activités. Bon, moi personnellement, j'ai fait du VTT. Alors VTT, il y a toutes sortes de profils. Il y a celui qui est super à l'aise. Celui qui est un petit peu moins. Celui qui fait toute la descente en chantant. La petite, prenez la petite. Allez Michel, prenez la petite Michel. Et il y a celui qui croit qu'il est mais... Ouais, voilà. Il s'est quand même tolé. Aïe. Ce qui est génial à la montagne, c'est que les paysages sont juste magnifiques. Ah mais je sais où il est, le pic des Crabules, il est là. Mais je le vois pas, il est où? Ah regarde, il est juste là. Ce qu'il faut savoir au Village Club, c'est que les salariés sont plus ou moins tenus de nous dire bonjour à chaque fois qu'ils nous croisent. Mais parfois, ils se rendent pas compte qu'ils nous ont déjà dit bonjour. 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 Mais alors, le plus troublant, c'est qu'il y en a ici, ils travaillent partout à la fois. Bonjour. 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 Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Un village comme ça, il y en a aussi un dans les Alpes, aux Arcs. C'est ça. D'accord. Mais alors ici, ils vendent pas d'alcool aux mineurs. Mais moi, je m'en fous. Salut maman. Qu'est-ce que je te sors? Mets-moi un Ricard, s'il te plaît. T'as quel âge? J'ai 19 ans. D'accord. C'est l'heure du jus de banane, messieurs, mesdames. Préparez la tisane, sortez les verres, le sirop de tarte. Eh, mon whisky. T'as ta carte d'identité? Non, toujours pas. Eh ben alors non. Hein. Le club à l'eau, parlons-en. Ah, sinon, les activités au club, elles sont super. Et elles se passent bien. Enfin, la plupart du temps. Allez, vas-y Mathieu, c'est à toi. Ok. Twerker devant tout le monde. Au Village Club, il y a des gens, ils sont un peu bizarres, hein. Des fois ils font ça. Bonjour. Et la question qui me turlupine, c'est pourquoi les animateurs ici sont toujours déguisés? Sans déconner les mecs là, ils se croient au carnaval de Rio. Et hop 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 hop, samba. Samba. Encore? Mais imagine deux secondes ce que ça peut donner en réunion. Mais quoi, quand on voit qu'on va pas, quand on compte pour payer des déguisements, des trucs... Vous êtes tous là? Je suis contente que la situation était critique. Et les choses améliorées, quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il faut améliorer le repas et les choses... Mais n'importe quoi, arrête. Bon, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Alors ici, le petit-déj, il est servi de 7h30 à 9h30. Autrement dit, il faut pas rater l'heure, quoi.
Alors ici, on est des animateurs dont l'état évolue au cours de la semaine. En début de semaine, ils sont plutôt à fond. Ouais, rien. On va par là. Oh, petit pont. Oh là là. Allez. Mais plus t'approches de la fin, plus tu sens que... Ah, c'est plus trop ça, quoi. Ça va, JP? On fait quoi, ça va, JP? JP? Même chose pour les ados entre eux, au début, on se connaît absolument pas. On apprend progressivement à se connaître. Moi, je m'appelle Paul. Après, je vous laisse imaginer que nos relations évoluent entre nous. Jusqu'à ce moment inévitable. C'est trop bon l'asiatique. Mais au fait, c'est notre dernier repas ce soir. Mais tu fais quoi là? On t'attend pour le spectacle! Bah oui, mais... Mais on y va! Bah allez, oui, y a tout le monde qui t'attend!